social. Bien, merci. Reprenons la séance avec une table qui d'abord n'est pas ronde et qui ensuite est complètement mal. Il y a une sorte de division des genres, dirait-on aujourd'hui, entre les tables rondes. Celle-ci n'est pas mixte. Alors, celle-ci tourne autour des enjeux. D'une série d'enjeux, d'une sorte de brochette d'enjeux, reconstruction des œuvres du mouvement moderne, restitution de ces œuvres, ce qui est une autre démarche, exposition de ces œuvres, avec quatre spécialistes engagés, pour certains depuis longtemps et à divers titres dans ces questions. Je les présente non pas par ordre alphabétique, comme sur le programme, mais par ordre de passage à l'écran. Donc d'abord Winfried Brenn, qui est architecte à Berlin et qui a réalisé de remarquables restaurations d'œuvres du mouvement moderne. J'ai à l'esprit son travail sur les Siedlungen de Bruno Taut, son travail extraordinaire sur l'école des syndicats de Hannes Meyer à Bernau, que j'ai eu l'occasion de visiter avec lui il y a quelques années, et qui est sans doute le chef-d'œuvre de l'architecture du deuxième Bauhaus, du Bauhaus de Meyer. Il travaille aujourd'hui sur la restauration de certains édifices du mouvement moderne à Tel Aviv et a une extrême compétence en matière d'ouvrages, de techniques, de couleurs, a développé une méthodologie exemplaire qui expliquait qu'on l'invite aujourd'hui pour nous parler de ces chantiers qui se déroulent à l'air libre autour des bâtiments. En effet, les trois autres intervenants ont une expérience qui se déroule plutôt en vase clos, ou en tout cas à l'intérieur des édifices existants. Je pense au travail d'Arthur Roeg qui interviendra ensuite. Arthur, qui est un historien remarquable des intérieurs du mouvement moderne, du mobilier, en particulier du mobilier de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, et de Charlotte Perriand en tant que telle. Arthur, depuis beaucoup d'années, s'est aussi attaché à reconstituer des intérieurs dans diverses expositions. J'ai le souvenir de ceux qu'il avait réalisés pour Bruno Reichlin et moi-même lors de l'exposition du centenaire de Le Corbusier au Centre Pompidou en 1987. Il faudra bientôt fêter le centenaire du centenaire. Nous ne sommes pas tout à fait encore là, mais c'était déjà une première opération tout à fait remarquable. Il a plus récemment, toujours avec moi, travaillé sur les intérieurs de l'exposition Le Corbusier du MoMA, et on lui doit notamment la reconstitution du Salon d'automne de 1929, qui est une des, et celle de la Chambre du jeune homme, qui sont un des clous de l'exposition Charlotte Perriand ici. Donc Arthur était aussi collectionneur. Il était aussi collectionneur et il a longtemps réussi à faire ses reconstitutions parce qu'il avait collectionné certains des objets, parfois les plus étranges, qui s'y trouvaient. Il a enseigné la restauration et l'histoire des intérieurs modernes à l'Institut Polytechnique Fédéral de Zurich. Ensuite, à ma gauche, Pascal Maury, qui est architecte et qui s'est lui aussi attaché depuis de nombreuses années à l'exposition des formes du mouvement moderne en France et dans le monde entier. Il a notamment été le
chef de projet pour la reconstitution à l'échelle grandeur d'une cellule de l'unité d'habitation de Le Corbusier à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans le palais de Chaillot. Une espèce de très vaste volume qui avance en proue sur la galerie du dernier étage où se trouvent les collections d'architecture contemporaine. Donc Pascal a eu une expérience concrète de ce que signifie la reconstitution de ces formes et de ces techniques dans des conditions qu'il aura peut-être l'occasion de rapporter et qui sont des conditions très, très stimulantes encore aujourd'hui. Enfin, Jean-François Baudin, qui est un architecte et qui, après avoir longtemps travaillé avec André Putman, a créé son agence à qui l'on doit beaucoup de très beaux musées français. Je pense au musée Matisse de Nice. Je pense aussi au réaménagement des galeries d'art contemporain du Centre Pompidou, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dont il a été le maître d'œuvre, dans le palais de Chaillot, des combles aux catacombes, je dirais presque. Et enfin, Jean-François a été le concepteur de la scénographie de l'exposition Charlotte Perriand dans ses murs, ce qui nous permettra, par une sorte d'effet de boucle, de la retrouver à la fin de cette table ronde. Je voudrais simplement, je ne veux pas faire d'introduction trop longue parce que vous entendrez beaucoup de choses intéressantes et vous verrez beaucoup de belles images. Je voudrais simplement dire que la présentation de l'architecture moderne, peut-être aussi celle de l'architecture de toutes les époques, dans l'espace des musées, dans l'espace des expositions, a toujours procédé de deux démarches que l'on retrouve dans cette exposition Charlotte Perriand ici, l'une étant la création d'objets en vraie grandeur, de pavillons, de répliques, et l'autre étant la fabrication de maquettes ou la présentation de fragments d'édifices. Donc ces deux logiques n'ont cessé de s'affronter. Et ceci depuis très longtemps, notamment la démarche de la réplique. On la trouvait dans les galeries du musée de sculpture comparée du palais du Trocadéro dès 1879, à l'initiative de Viollet-le-Duc à l'époque. Cette idée de la réplique, on a fini par la retrouver très tôt aussi avec les édifices du mouvement moderne, et je pense en l'occurrence à la première reconstitution du pavillon de l'Esprit Nouveau à Bologne, qui date aussi des années 1980. Oui. Donc il y a des tentatives comme celle de refaire une réplique éphémère du monument de Mies van der Rohe à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg à Berlin. Bon, donc il y a eu beaucoup de le simulacre, la reproduction, la réplique, la copie. Le champ sémantique est très large, très élastique, et je ne vous ferai pas l'injure de présenter une conférence sur ce thème. Il y aura d'autres lieux pour le faire. En tout cas, nous sommes devant un champ très vaste de pratiques et de compétences, et c'est dans une certaine mesure l'ampleur de ce champ que cette table ronde voudrait mesurer, en commençant donc par Winfried Brenner et Berlin. Oui, qui parlera en allemand. Vous avez donc une traduction simultanée de l'allemand. J'espère que tout le monde est équipé. Non. Que faire? Pause technique et distribution d'écouteurs. Ou alors, écoutez, on va changer l'ordre. Eh bien non. Heureusement, il y a d'autres langues d'échange international que l'anglais et le français. Vous pouvez les distribuer? Arthur, tu parles en français? Non, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler en Schweizerdeutsch, mais on n'a pas d'interprète spécialisé. Donc, peut-être peut-on demander alors à Arthur de commencer. Désolé les techniciens, mais
Pendant que l'on procède à la distribution des casques pour entendre la traduction de l'allemand, Arthur va commencer. Ok. Pardon. Donc, peut-on avoir les images d'Arthur Rueg? Je crois les informations doivent circuler dans les réseaux magnifiques de ce bâtiment et nous finirons par les avoir. À la vitesse de la lumière, mais les humains n'opèrent pas à la vitesse de la lumière. Voilà. Parfait. Arthur. Ok, très bien. Moi, je voulais parler après Winfried, donc pour montrer aussi qu'il y a un peu de différence entre les mentalités allemandes et les mentalités françaises, mais quand même, les intérieurs de l'avant-garde des années 20 frappaient quand même en Allemagne et en France par une séparation de l'espace et de l'aménagement et l'utilisation de meubles types. Alors pourquoi pas présenter les meubles qui restent de la Villa Tugendhat, par exemple, dans un musée, et utiliser le grand salon ouvert pour des réceptions officielles. La reconstitution en 2013 des intérieurs de cette villa nous apprend que malgré le fait que la théorie moderniste déclarait la mort de l'ensemble traditionnel, c'est précisément l'interaction du mobilier et de l'espace qui compte. Le plaisir esthétique et culturel éprouvé devant un tel chef-d'œuvre dérive de la comparaison avec d'autres exemples significatifs, soit identiques, soit différents. Ces exemples composent dans leur ensemble une sorte de musée imaginaire, si vous voulez. Et il est tout à fait passionnant, pour les passionnés un peu fous, d'en approcher aussi les œuvres dont seules quelques photos et esquisses existent ou qui sont dans un état méconnaissable. Et les expositions constituent un cadre idéal pour la présentation de telles études, souvent très complexes et très longues. Nous nous embarquons donc dans un petit voyage à travers quelques-unes de mes reconstitutions didactiques réalisées soit pour le MoMA, le Museum für Gestaltung Zürich, la Kunsthalle Karlsruhe, installations qui peuvent servir de référence aux trois ensembles réalisés ici pour l'actuelle exposition Charlotte Perriand. Commençons avec le salon de la Villa Jeanneret-Perret de la Chaux-de-Fonds créé en 1912, première œuvre signée Charles-Édouard Jeanneret-Le Corbusier. Dans cet espace s'annonce déjà la séparation implacable entre le mobilier mobile standardisé et l'architectonie des conteneurs. 13 ans plus tard, Le Corbusier Pierre Jeanneret formule une antithèse de l'intérieur Art Deco, qui est en même temps une sorte de Gesamtkunstwerk alternatif, qui dérive des principes de la composition et des prédilections formelles puristes. Dans le pavillon de l'Esprit Nouveau, les sièges et les tables seuls demeurent, les nouveaux casiers standards s'intègrent dans l'enveloppe architecturale. L'intérieur coop de Hannes Meyer de 1926 montre une position encore plus radicalement opposée au traditionnel ensemble traditionnel homogène. Même des objets standardisés tout à fait disparates peuvent apparemment constituer un tout s'ils se relèvent d'une même attitude ou idéologie. La première installation réalisée donc pour l'exposition de la Fondation Louis Vuitton démontre la transition de Charlotte Perriand du monde traditionnaliste de l'art déco, l'art des ensembliers qui l'a formé, à ce monde de l'avant-garde moderniste. Il s'agit de la salle à manger de son appartement de la place Saint-Sulpice, telle qu'elle est exposée au Salon des artistes décorateurs en 1928. Et toujours en 1928, Charlotte développe les fameux sièges en tube d'acier ensemble avec Le Corbusier Pierre Jeanneret pour la villa de Barbara et Henry Church située à Ville-d'Avray.
La bibliothèque austère de ce pavillon Church est munie de casiers intégrés dans une enveloppe complètement lisse. La deuxième reconstruction au sein de l'exposition Louis Vuitton est dédiée à la première présentation publique de ce mobilier iconique, ainsi que d'une version nouvelle des casiers standards métalliques au Salon d'automne de 1929. Ici, le trio Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand optent pour l'impact d'un programme universellement applicable d'unités standardisées aux usages multiples. Cet appartement scintillant est conçu comme une formidable incarnation du fonctionnalisme ou même une allégorie de la fameuse machine à habiter. Le troisième intérieur, la salle d'études de l'appartement du jeune homme, originalement montré à l'exposition internationale universelle de Bruxelles de 1935, révèle encore un autre tournant des préoccupations de Charlotte Perriand, un éloignement du culte des objets types, des espaces nus et de l'esthétique de la machine. Dans cette installation, l'art du matériau brut s'exprime de manière exemplaire. Et finalement, à la fin des années 40, Charlotte Perriand contribue une fois de plus à l'équipement des cellules de l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier, ici recréée par mon ami Ruggero Tropeano en 1986. Dans cette réalisation tardive, les appartements comportent toute une série de niches et de placards intégrés dans la peau intérieure de la maison, y compris même une table allongée ici à gauche de l'image. Maintenant, pour vous donner quelques aperçus sur la genèse des trois reconstitutions réalisées au cadre de l'actuelle exposition, il est utile peut-être d'évoquer les points de départ qui sont à chaque fois différents. En ce qui concerne l'appartement aménagé par Charlotte Perriand à Saint-Sulpice, sa structure spatiale est toujours intacte. J'ai pu en faire un relevé sommaire qui permet de comprendre un peu la distribution originale des espaces. Donc, sur le plan à gauche, l'entrée, puis le fameux par sous le toit en bas, la salle à manger, l'atelier et au coin, la chambre à coucher. Pour l'exposition de la salle à manger au Salon des artistes décorateurs en 1928, Charlotte raccourcit l'atelier et introduit un miroir pour donner l'illusion de la dimension originale. La crédibilité de cette première installation est sans doute basée sur la présence des meubles mobiles originaux. Par contre, le magnifique meuble de gramophone fixe, qui témoigne d'une manière si éloquente de la provenance de Charlotte du monde de l'art déco, est une reconstitution. Et l'analyse des photos historiques, à gauche et à droite, nous dévoile d'ailleurs que l'original de Saint-Sulpice n'a pas été transformé, mais copié pour l'exposition, comme certainement le reste des équipements intégrés. Contrairement à l'appartement de Saint-Sulpice, le stand construit pour le salon d'automne de 1929 n'existe plus. En reste une foule d'excellentes photographies et quelques rares esquisses. Et ma première visite rendue à Charlotte Perriand en mai 1977 était justement destinée à savoir plus sur les matériaux utilisés et le plan de cette réalisation. Les dimensions des casiers et le format des dalles de verre brut qui couvrent le sol ont finalement suffi comme référence pour la composition de jeux de plans à l'échelle 1 sur 20. Afin de vraiment connaître les détails, j'ai tout de suite décidé de reconstituer deux éléments des casiers métalliques, casiers qui étaient quand même l'armature morale de la démonstration. Leur système constructif suit une logique tellement conséquente qu'en 1979, il a suffi de consulter un catalogue de profilés en laiton en bas pour arriver à une reconstruction fidèle des détails à l'échelle 1 à 1.
Ce sont ces deux casiers à gauche qui ont servi de base pour la mise au point et la fabrication de l'ensemble des conteneurs métalliques dans une usine milanaise spécialisée. Un aperçu à droite. Mais il ne faut pas se tromper. Il reste encore de nombreuses questions à résoudre. Ainsi, il était difficile de déterminer les matériaux utilisés à chaque fois pour fermer les ossatures des casiers. Était-ce de la tôle acier peinte, du verre poli clair, du verre poli peint noir, du miroir, de l'opaline, de l'aluminium poli? Et l'opaline, un verre blanc teinté dans la masse, est introuvable aujourd'hui. On devait donc le remplacer par un float glass dont une surface et les bords furent sablés. Voyez le détail en bas à gauche. Si la reproduction des différentes sortes de tirettes ne créait que peu de problèmes, on était obligé pour l'étoffe scintillante originale de choisir un produit en plastique tout en se décidant pour une teinte proche à celle visible sur une ancienne photo mise en couleur. Il était donc impossible de retrouver certains matériaux industriels ou semi-industriels utilisés par l'avant-garde de l'époque. Si les fameuses briques de verre Nevada sont désormais refabriquées, l'illimitable verre coulé sur sable, utilisé pour les dalles de 60 par 60 cm pour le sol et pour la grande table à manger, se prouvait introuvable. Voyez à droite les Nevada reproduits. Et il était de même pour les merveilleux appareils sanitaires de Charles Blanc qu'on était obligé de recréer à la main. Ce sont donc des maquettes, soit d'après des photos anciennes, soit d'après les modèles qui sont conservés à la Villa Savoye de Poissy. Dans la cuisine, le frigo, la cuisinière à gaz et les deux égouts sont également des maquettes laquées. Cette cuisine est certainement une pièce clé de l'entière démonstration. La décomposition des différents processus culinaires en phase autonome est une application des principes développés pour l'industrie par l'Américain Frederick Winslow Taylor. Elle est un manifeste fonctionnaliste frappant dont l'efficacité paraît néanmoins un peu discutable. Finalement, la salle d'études réalisée pour l'exposition internationale et universelle de Bruxelles de 1935 n'a pas laissé de traces non plus. Heureusement, Charlotte Perriand avait croqué le plan de cet appartement du jeune homme sur la paroi en ardoise du studio. Les jointures des carreaux de terre cuite et celles des briques Nevada qu'on reconnaît sur les photos anciennes permettaient d'en dessiner le plan. Il est par ailleurs intéressant de noter que la forme extérieure de cette installation est le résultat immédiat du parcellement Beaux-Arts de l'exposition entière. Voyez en bas le plan de cette exposition. C'est immédiatement avec la salle centrale d'entrée. Faisant écran entre la salle d'études et la salle de gymnastique, trois caisses en tôle pliée laquée contenaient des équipements standards de la firme Flambeau. Le Corbusier s'emparait de ce meuble comme support de propagande. Des clichés 13 sur 5 évoquaient les temps nouveaux. Aujourd'hui, la technique du laser permet de reproduire ces plaques gravées chimiquement à l'époque et de présenter ce meuble manifeste dans toute sa splendeur originale. Si l'enveloppe entière et quasiment tout le mobilier de cette installation sont des reproductions, le rôle des œuvres d'art originales et des objets d'ailleurs devient évident. La présence de la toile géante de Fernand Léger, Le Sport, confère à cette installation un degré de fiabilité incroyable et nous permet une expérience sensuelle extraordinaire de ce qui n'existait que pendant un court laps de temps en 1935. Merci de votre attention. Merci.
Merci. Merci infiniment, Arthur, pour ce journal de bord. Je voudrais souligner que tous les intérieurs auxquels Arthur prodigue sa connaissance infinie, ses soins, sa précision de travail, de conception et de réalisation, vous l'avez compris, ces intérieurs ont tendance à être éphémères et donc à disparaître, mais il en est deux que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est celui de la villa d'Ellen Gray et Jean Badovici, E1027 à Roquebrune-Cap-Martin, dont la restauration s'achève au printemps prochain. Arthur a notamment travaillé sur la salle de bain, qui est un bijou exceptionnel par l'interaction du travail sur le carrelage, le lettrage, l'électricité, la plomberie. Je vous engage à aller voir de près. Et l'autre intervention magnifique, c'est la restauration du pavillon Le Corbusier à Zurich, du pavillon de Heidi Weber, qui a ouvert cette année, où Arthur a de surcroît déployé une très belle exposition autour des collections d'objets de Le Corbusier, objets types des années 20, objets à réaction poétique des années 30. Donc, voici des devoirs de vacances pour prolonger l'exposé d'aujourd'hui. Alors, je crois que tout le monde est équipé et je donne la parole à Winfried Brenner dans la langue de Goethe et Walter Gropius. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très heureux de pouvoir présenter quelque chose qui a été restauré à Dessau ces dernières années. Donc, il s'agit des maisons de maître, une contribution considérable pour bien témoigner en fait de l'architecture moderne. C'est en fait ici un ensemble. Vous voyez l'environnement et vous voyez également les différentes étapes. Donc, en fait, c'est un cadre assez bucolique. Friedrich Ebert Allee à Dessau se trouve ces quatre différentes maisons et un petit kiosque, la maison de Gropius, qui a vécu dans cette maison. Ensuite, c'était Mimol et Notch, Feininger, et ensuite un bâtiment, Muche, Schlemme, et le dernier bâtiment était celui de Klee Kandinsky. Voilà, brièvement, pour vous montrer en fait l'état actuel. Gropius, la maison a été détruite pendant la guerre et pendant la RDA, on a construit un autre immeuble. C'était en fait une solution de dépannage parce que pour pouvoir décider si on allait construire quelque chose de nouveau ou qu'on allait garder les formes authentiques. C'était un concours qui devait servir à montrer les imperfections de l'architecture. À droite, vous voyez les immeubles de Feininger. L'immeuble a été construit par Gropius et donc les autres bâtiments étaient construits par Bruno Fioretti et Marquez. Ensuite, il y a les bâtiments de Schlemme et de Kandinsky. Vous voyez ici ces différentes étapes qui servaient à planifier ces immeubles d'un style modulaire. C'était en fait l'approche privilégiée à l'époque et qui est encore présente. Le code couleur était une partie intégrante de l'architecture. La première étape, c'est aussi le bâtiment de Muche Schlemmer. Vous voyez ici, en fait, le plan et l'approche qui nous servait aussi pour planifier la restauration. Le bâtiment avait un historique. Il fallait savoir comment les bâtiments étaient à l'époque. Vous voyez ici les différentes étapes. Pendant le Troisième Reich, ils ont été modifiés parce qu'on voulait enlever tous les éléments un peu particuliers du Bauhaus. En fait, on les a en fait dégradés pour servir d'habitat pour des gens de la ville. Après la réunification, on cherchait en vain encore les sources, les
traces du passé. Donc, on était chargé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces différentes étapes de l'histoire. Nous avons créé ces maquettes qui montrent ces différentes modifications qui ont séduit ces bâtiments. Donc, c'était la construction, ensuite l'époque nazie, 1933, et 1998, ensuite, la, disons, le changement pour revenir aux origines. On a analysé, en fait, les plans, les façades, tous les aspects aussi concernant les surfaces. Il n'était pas simplement important de connaître les surfaces, les transformations, les techniques de construction et la planification. Il fallait tenir compte de tous ces aspects pour créer, en fait, un concept total pour permettre la rénovation. Donc, il fallait tenir compte des différents aspects. Il fallait réouvrir toutes les grandes fenêtres des ateliers. Donc, on a créé les ateliers et les fenêtres d'origine. Nous voulions également utiliser les mêmes matériaux pour retrouver, en fait, les traces du passé. Vous voulez même, disons, revenir un peu sur les techniques de construction. Vous voyez à droite la situation en 2001. À l'époque, donc, on utilisait en fait cet atelier comme habitat. Et en 2002, on a retrouvé l'atelier de Moore. Les modifications ont laissé des traces. Des fois, on ne pouvait même plus voir les formes d'origine. Ici, vous voyez la salle de bain. Nous avons en fait reconstituer la salle de bain d'origine. Ce qui était particulièrement important étaient les surfaces, les couleurs dans ces bâtiments. Assez complexes, comme vous voyez, il fallait voir ces différentes étapes. Grâce aux stratigraphies, on pouvait relever les traces du passé et, disons, qualifier chaque époque. Moore, par exemple, avait de la couleur. Ensuite, on a mis du papier peint japonais. À droite, vous voyez ce papier original japonais. C'est la maison de Moore. On a eu pas mal de surprises. Le texte vous explique quelle était l'impression de Moore lorsqu'il est rentré dans cet immeuble. Il a été un peu effrayé par la couleur, qu'il n'a plus jamais utilisé cette pièce. Il s'est détourné à plus jamais. C'était en fait le style dadaïsme. Les bâtiments ont en fait perdu très vite le code couleur et nous avons voulu créer en fait un style authentique, pas simplement du point de vue architectural, mais aussi en ce qui concerne les matières. Vous voyez ici, en fait, l'état des immeubles à l'époque de la RDA, donc c'est le traitement de surface. Je reviens donc maintenant sur l'aménagement intérieur. Lorsque nous avons en fait des codes couleurs, des traces du passé, on les a remis à l'état, autrement on les a laissés neutres, donc sans couleur. Donc, à droite, vous voyez le séjour de Schlemm. Et en face, c'est en fait la chambre de Moore. On a retrouvé en fait toutes ces formes et ces couleurs d'origine qui étaient très riches dans son expression. Il fallait être sûr que sous ces différentes couches d'ennui, on retrouve en fait les surfaces des années 20. Vous voyez ces différentes photos, évidemment, il y avait des fortes dégradations
Nous avons tout restauré et repeint. Donc on a réparé aussi tous les dommages provoqués par les nationaux-socialistes et par le régime de la RDA qui se servit de ces immeubles comme habitat pour les gens de Dessau. Ensuite, vous voyez, c'est une revivification qui montre qu'on a vraiment ici une vue d'une œuvre totale. C'était en fait toutes nos recherches que nous avons menées à bien et ceci nous a servi aussi d'expérience pour traiter en fait ces objets assez fragiles. Pour l'avenir, on aura donc un catalogue qui est donc marqué par différentes couleurs. Ces bâtiments étaient relativement bas et il fallait trouver une protection. Voilà, ici vous voyez la maison de Kandinsky-Klee. Là, nous avons pu en fait nous baser déjà sur une restauration car le bâtiment servait de musée. Vous voyez l'origine et ensuite l'évolution et les différentes mesures qui ont été déjà entreprises. Les différentes étapes du temps, les différentes étapes d'utilisation sont reflétées sur ces photos. Et donc, il fallait enlever, par exemple, le système de climatisation, car c'était quand même des modernisations qui n'existaient pas à l'époque de la construction. Nous avons utilisé toutes ces expériences pour établir un catalogue des différents critères. Par exemple, ici, c'était la salle de Kandinsky. Il fallait une ouverture. Il y avait une ouverture vers la maison de Kandinsky que nous avons refermée pour retrouver l'origine avec une surface dorée. Donc, ce n'est pas de l'or authentique, mais cela ressemble à cela. Nous avons cherché dans les archives différents plans et différentes photos pour rétablir le langage original. Ça, c'était l'atelier de Kandinsky. Il y avait, par exemple, ici un problème. Comment interpréter ces plans? Est-ce qu'il y avait un passage entre la cuisine et la salle de séjour? Est-ce qu'on rétablit cela? Est-ce que cette armoire, il fallait la construire comme ça ou comme ça? Grâce à ces connaissances, nous avons pu lire le langage qualitatif de cette œuvre. Ici, vous voyez ces différentes codes. Il y avait plus de 100 tonalités différentes que nous avons retrouvées pendant le processus de restauration. Ceci montre en fait ce travail intense. Kandinsky, par exemple, a donc vécu jusqu'à la fin, jusqu'en 1933 dans cet immeuble. Vous voyez à nouveau en fait le traitement des surfaces et ici à nouveau les différents codes couleurs. À la fin, je vous montre l'effet de la lumière qui joue un très grand rôle dans la qualité de ces immeubles, car sans lumière, la couleur ne peut pas se développer. À l'époque du musée, les responsables avaient changé tout le système de la lumière et donc nous avons rétabli le système original de l'époque et grâce à la technologie MonED, donc des LED, nous avons donné un petit plus. Ici, vous voyez d'autres photos. C'est un immeuble qui se présente comme une peinture, un peu de rose, un peu de noir, un peu de doré, donc une grande expressivité. C'est l'escalier de la maison de clé et les différentes parties des pièces. C'était le salon de Kandinsky. Et vous voyez, la couleur est très expressive et montre la profondeur de ces immeubles. Recht vielen Dank, es war spannend. Merci beaucoup, passionnant. Quelques questions. Avoir un bref moment de
de discussion maintenant, après ces deux interventions qui portent un peu sur la même démarche, à une échelle différente, car Winfried Brenner travaille avec d'autres métiers du bâtiment et des bâtiments complets. Mais je crois qu'on a deux exemples qui allient à la fois la qualification et le talent du détective, du chercheur, pour trouver les solutions, trouver les matériaux, les mises en œuvre, les détecter à partir des indices restants, des surfaces qu'il faut gratter, des petits croquis qu'il faut déchiffrer, et puis la compétence technique sans laquelle ces reconstitutions ne seraient que des maquettes grandeur, ce qu'elles ne sont pas. Donc, y a-t-il des questions à poser à nos deux premiers intervenants ? Dans le micro, pour que ce soit traduit. Eh oui. Oui, non, c'était pour Arthur Wake. Alors, je voulais comprendre. Alors, vous dites que la plupart des reconstructions sont éphémères et détruites. Mais alors, est-ce qu'il y a maintenant un système où on les garde et elles circulent d'une exposition à l'autre ? Ou comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on voulait dire par éphémère ? Et comment est-ce qu'elles sont ? Peut-être Arthur peut y répondre à la question. Arthur a fait plusieurs fois, il l'a montré, plusieurs fois, a reconstitué plusieurs fois les mêmes intérieurs. From ground zero. Et chaque fois, il faut recommencer tout ? Oui, oui, parce que... Le salon de l'esprit nouveau, tu te parles de l'esprit, je l'ai fait à Los Angeles, je l'ai fait à Grenoble et je l'ai fait à Zurich. Tout à fait. Mais ce qu'on avait toujours, c'était les meubles originaux, hein, qui existent toujours à Berlin. Mais pour les peintures, par exemple, c'était différent. À Zurich, on avait deux peintures originales et deux peintures, c'était des fakes qu'on a copiées. À Los Angeles, on avait toutes les peintures, mais par exemple, le joint gris avait un cadre doré qui était dégueulasse, des Rockefeller qu'il ne voulait pas qu'on enlève. Donc parfois, la copie était meilleure que l'original. C'était assez amusant. Oui, ça me fait penser à une tournée d'opéra dans laquelle les chanteurs sont les mêmes, mais le décor peut changer, les figurants sont différents. Et au fond, grâce notamment aux collections d'Arthur ou celles de la Fondation Le Corbusier, les meubles étaient vraiment authentiques, mais le reste était réinventé, redécouvert à partir des collections. Même chose pour l'intérieur de l'unité d'habitation qui a été refait à New York. Brenner, à propos, je voulais poser dans Monsieur Brenner à propos de la reconstruction qu'il fait à Tel Aviv, c'est ça ? Vous travaillez aussi à Tel Aviv ? Dans la ville. Alors là-bas, maintenant on construit tout autour. Donc il y avait 20 immeubles Bauhaus, maintenant il y en a 50. Alors comment ça marche ? Ça veut dire, la ville blanche grandit et on ne sait plus qu'est-ce qui était vraiment Bauhaus. Bah, Bauhaus, et les gens construisent aussi un dernier étage parce que le dernier étage finance le reste de la restauration. Et on ne sait jamais si ces immeubles ont 4 étages, 5 étages, 3 étages. Alors comment ça marche ? Tel Aviv est natürlich une besondere situation. Tel Aviv, c'est une situation très particulière. Bauhaus à Tel Aviv ne correspond pas au Bauhaus en Allemagne. En Allemagne, on parle surtout de Dessau. Tel Aviv, bon, ça fait partie aussi de l'histoire architecturale européenne de l'Ukraine jusqu'en France. Mais les situations locales sont à chaque fois différentes parce que il y a aussi des intérêts privés. Il n'y a pas toujours des subventions publiques pour le faire. C'est pour ça qu'on a essayé de se procurer des fonds pour pouvoir restaurer des maisons classées, protégées. C'est pour ça qu'on a acquis d'autres immeubles et on peut augmenter certaines maisons de 1 ou 2 étages. La restauration des maisons là-bas ne peut pas se faire à la même manière que chez nous à Dessau. Parfois, il s'agit d'une interprétation, mais ceci aussi, c'est une étape de comprendre une partie de leur histoire et pour montrer une partie de leur histoire au reste du monde. Je crois que l'architecture en Israël, c'est leur propre langue.
Et on voit aussi quelles sont les évolutions dans le détail, quelles sont les différences par rapport à ce qu'on voit en Europe par ailleurs. Donc c'est une évolution complexe qui se constate dans le détail et c'est vraiment très passionnant parce que c'est un processus qui a commencé par le Max Liebling House. C'était le début et on commence un projet où on constate les différentes procédures, les différentes étapes pour la construction d'une telle maison. On voit aussi quel est le langage architectural de chaque pays qui se développe au fur et à mesure. Sur 150 architectes, il y en avait 4 qui étaient passés par le Bauhaus, donc c'est du branding à l'état pur. Et que, une autre footnote, les projets auxquels participe Winfried, ce sont des projets dans le cadre de la gestion du site UNESCO, site du patrimoine mondial, qui est un site très ingénieux et qui est fondé sur une sorte d'échange. On vous bride, mais dans le même temps, on vous permet de gagner de l'argent. Donc c'est un modèle extrêmement spécial et sans doute unique au monde. Et vous, elle restait. Bon, je vous propose qu'on continue parce que je vois que le temps passe et je passe la parole donc d'abord à Pascal. Je n'ai pas dit à son propos qu'il avait conduit la mission de production des maquettes pour l'exposition Charlotte Perriand et que donc des très délicates maquettes produites notamment dans un atelier d'élite et à bon marché à Barcelone ont été réalisées sous sa conduite. Merci Jean-Louis. Je voudrais vous proposer un petit voyage à travers des objets qui sont des objets singuliers, que sont ces maquettes que les humains produisent depuis maintenant de nombreux millénaires en fait. Je ne vais pas retracer toute cette histoire-là, mais je vais essayer d'interroger quelques-uns de ces objets pour nous amener à la production qui a été la nôtre dans cette exposition Charlotte Perriand à la Fondation. Les maquettes sont des objets, donc des reproductions à une échelle inférieure de leur état naturel, d'un édifice à venir ou qui a été construit et qui est donc à la fois un objet de travail et à la fois un objet de représentation. Alors j'ai besoin du petit laser. Hop. On trouve des modèles de maquettes en terre cuite dès l'Antiquité. Il y en a sur quasiment tous les continents, en Asie, en Afrique, en Égypte, en Amérique du Sud. Ce sont vraiment des objets de travail sur lesquels il y a une utilisation de l'objet pour faire avancer le projet, date du IIe siècle. Telles qu'elles ont été identifiées par les archéologues dans la plaine de la Beka. C'est là où une première maquette qui est aujourd'hui au musée de Beyrouth permet d'analyser comment un projet d'un temple, notamment dans la salle qui était interdite aux profanes, a fait l'objet d'expérimentation et de mise au point de sa structure. C'est vraiment une des premières maquettes qui n'était pas un objet juste de représentation, mais qui est un objet de travail. Au Moyen-Âge, la maquette disparaît un petit peu comme objet de travail. Les maîtres maçons des cathédrales n'utilisent pas trop la maquette. Les maquettes sont plutôt utilisées comme moyen de représentation pour signifier qu'elles ont été les heureux donateurs. Même en Arménie, où il y a de très nombreuses maquettes d'églises et d'éléments de monastères, on n'a pas réussi à prouver que ces objets en pierre aient pu être des objets de projet pour la fabrication des bâtiments. C'est vraiment à la Renaissance que l'objet maquette tel que really in the Renaissance that these models as we know them today and as we use them today were introduced by the Italians. They made many wooden models, some of which we still have, and they allowed us to really pinpoint. De ces édifices ne se faisait pas en quelques années ou comme nous le faisons de nos temps. Elle prenait un temps très long, de voire dizaines, vingtaines, voire siècles.
Et donc la maquette était un moyen de transmettre, plus que le dessin, un certain nombre d'intentions du maître d'œuvre pour les générations futures qui reprendraient le projet. Elles sont l'objet d'un travail exceptionnel, à des échelles qui sont souvent importantes, qui rentrent dans un niveau de détail qui n'avait pas encore été atteint jusqu'à cette période. La mise au point, bien évidemment, du dôme de la cathédrale de Florence en est un exemple parmi les autres, où de nombreuses maquettes existent et permettent de regarder et d'étudier les différentes versions qui ont pu être élaborées et pensées pour la fabrication de ce dôme et son couronnement notamment. La France est un peu en retard dans la production de maquettes. Il existe très peu de maquettes de la Renaissance en bois en France. En revanche, on a la particularité d'avoir quelques exemples de ces maquettes en papier que nous sommes les seuls à posséder, qui sont des maquettes vraiment issues de la maîtrise que le dessinateur et le maître d'œuvre avaient atteint au XVe siècle. Et donc ce sont des sortes de maquettes de papier avec des façades qui se déplient et se replient, qui forment des volumes. Il en existe plus que 4 aujourd'hui, je crois, en France. Ce sont donc des objets rares parce qu'ils étaient dans des matériaux très fragiles. Et il permettait donc à l'architecte de venir présenter son projet et de convaincre son commanditaire de l'excellence de son travail et de la pertinence de sa proposition. Les siècles qui suivent sont des siècles d'élaboration, de redites des maquettes telles qu'on les a vues à partir de la Renaissance. Mais au XIXe siècle, des nouveaux phénomènes se produisent, hormis la grande parenthèse dont je n'ai pas traité, qui sont les plans-reliefs, donc voulus par Louvois pour Louis XIV, et qui sont donc des plans de ville que vous connaissez tous, qui avaient à la fois des fonctions de mise au point de projet, mais aussi des fonctions pour impressionner les personnes susceptibles de vouloir attaquer la France. Il y avait un côté dissuasif dans ces maquettes. Elles étaient stockées dans un endroit qui était tenu secret, et Louvois ou Louis XIV ne faisait visiter ne montrait ces objets qu'à un nombre très réduit de personnes, puisque la complexité des systèmes défensifs qui étaient exposés dans ces maquettes était surtout là pour dissuader les attaquants, les ambassadeurs des pays belligérants de vouloir attaquer la France. Mais c'est un autre sujet. Donc, au XIXe siècle, la maquette est bien sûr produite dans les agences d'architecture, mais elle prend un nouveau statut avec la création du Musée des Monuments Français que Jean-Louis a évoqué au Palais du Trocadéro, avec la constitution de collections d'État, en fait, de maquettes, en vue de transmettre auprès d'un large public une connaissance en la projetant dans des objets. D'abord des reproductions à l'échelle 1, qui sont celles qui se trouvent aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et puis d'autres collections qui sont lancées, notamment autour d'un projet d'Anatole de Baudot, qui réalise au 33e toute une série de bâtiments qui sont, ou de fragments de bâtiments, qui sont à la fois là pour éduquer les architectes dans le cadre de la formation qui est dispensée pour les monuments historiques naissants, mais aussi pour essayer de comprendre des bâtiments sur lesquels il n'y a aucun autre document que le bâtiment en lui-même. Et donc la production des maquettes est un instrument de mise au point de la connaissance sur les systèmes constructifs qui sont alors mis en œuvre. Par exemple, pour le Mont-Saint-Michel, cette maquette est faite pour une phase de restauration qui est lancée en 1880, et elle a pour objet que d'essayer de permettre de comprendre, à travers les traces qui étaient visibles, les systèmes d'assemblage de pierres assez complexes dans certains des éléments de ce bâtiment.
La maquette expérimentale, la maquette de travail, est une autre dimension de cet outil. C'est un outil privilégié de certains architectes. Hein. Tous ne l'utilisent pas. Certains l'utilisent de façon intensive. Jean Prouvet, dans ses ateliers, avait un atelier de maquettes pour réaliser des maquettes à échelle réduite de l'ensemble des bâtiments et des éléments qu'il allait produire. C'était son fils Pierre qui en avait la charge. Il dit au propos de la maquette que c'est pas seulement un objet pour se faire une idée de ce que ce sera, c'est vraiment un objet sur lequel on peut déjà travailler sur la résistance des matériaux et tester la capacité de ces matériaux à s'assembler les uns les autres. C'est donc pas seulement une représentation pour convaincre un maître d'ouvrage, mais c'est un outil de mise au point du projet au même titre que des croquis ou des dessins. La maquette sert en effet à gérer de la complexité. Ici un exemple de charpente qui est fait avec des sections très semblables à la réalité. Et puis bien sûr des maquettes de Franck Guéry qui gère une complexité dans un premier temps à travers ces maquettes qui n'est pas tangible avec le dessin et qui ensuite, à travers la mise au point avec des outils informatiques, prend une forme construite. Ou alors des expérimentations sur des formes, comme la dernière image de maquette de prototype de gratte-ciel qu'a fait Zaha Hadid pour un projet à Miami. Les ateliers d'architectes, hein, certains en tous les cas, ont été ou sont des lieux de production de ces objets. Le Corbusier pratiquait la maquette plus comme un outil de communication que comme un outil de travail, hein, sauf à quelques exceptions sur lesquelles on ne rentrera pas. L'atelier de Charlotte Perrian a connu aussi un travail de maquette important. Même si très peu d'entre elles malheureusement subsistent, encore Franck Guéry, où là la production de maquettes prend une dimension protubérante comme elle n'a jamais été sûrement réalisée dans aucune agence au monde. La maquette est donc à la fois un outil de représentation, un outil de travail, mais c'est aussi un outil de communication de tous les temps. Sur cette sculpture, c'est le donateur hein, de l'église hein, qui est représenté avec la maquette figurant la chapelle de Rieux. Et sur l'autre photo, il ne s'agit pas d'une photo de travail, il s'agit vraiment d'une photo de communication de Miss van der Rohe qui présente la deuxième version du Seagram Building à New York, maquette qui est maintenant au MoMA, avec en arrière-plan son mentor. Son coadjuteur. tous les architectes du mouvement moderne ont quasiment réalisé ce type de photo. Le Corbusier ne manque pas à l'appel avec cette photo au MoMA lors de l'exposition où il présente une maquette de la Villa Savoie restaurée fraîchement quand la photo est refaite, hein, refaite complètement. Et puis cette photo où les architectes dans les années 70 présentent leur projet d'aménagement pour le centre des Halles hein, où on a l'impression qu'ils présentent un gâteau à la crème pour reformuler l'architecture de ce centre de Paris. Les maquettes ont aussi des fonctions dans les expositions, et c'est par là que je terminerai mon exposé. Elles sont des éléments de médiation fondamentales aujourd'hui dans la présentation de l'architecture, hein, parce qu'elles permettent une compréhension rapide et aisée d'un objet qui peut être complexe, un bâtiment peut être complexe, et contrairement aux autres matériaux utilisés par l'architecte, comme le plan, l'axonométrie, il est d'une lecture beaucoup plus facile.
La question de l'échelle de cette maquette se pose quand il s'agit de la présenter au public. Je ne vais pas reprendre les propos d'Arthur sur la restitution à l'échelle 1, mais il m'est arrivé donc d'avoir à mener cette restitution de l'appartement de la Cité radieuse de Marseille, qui est un objet donc, qui pèse 80 tonnes, qui est probablement la plus grosse et lourde maquette jamais construite pour un musée. Il s'agit donc à l'échelle 1 de la reproduction exacte d'un appartement de la Cité radieuse. Jean-Louis évoquait les conditions particulières dans lesquelles nous avions pu faire ce projet, puisqu'on avait décidé non pas d'utiliser des entreprises pour réaliser ce projet, mais de faire travailler des jeunes lycéens, des lycées professionnels, des lycées techniques et professionnels d'Île-de-France. Il y en avait 17 lycées concernés et 1200 étudiants. Et donc pendant 5 ans, nous avons mis au point, à travers des relevés très précis et des croisements dans les archives de la Fondation, cette restitution de cet appartement avec tous les problèmes que pose la reconstruction à l'identique d'un bâtiment construit dans les années 50 en vue d'accueillir du public. C'est une opération complexe, des matériaux sont proscrits, le plomb, l'amiante qui peuvent être présents, des règles de sécurité importantes doivent être respectées et puis il a fallu aussi tricher un petit peu puisque si on avait reproduit l'appartement exactement comme il était, il aurait pesé à peu près 120 tonnes. Il a fallu alléger de 40 tonnes pour des raisons de stabilité du bâtiment. Et donc, on a dû faire des trichés. C'est pour ça que vous voyez une structure métallique dans un bâtiment qui est 100% en ossature en béton. Mais les aspects ensuite qui étaient tactiles, hein, tout ce que le public pouvait toucher et voir, est exactement la reproduction à l'identique du bâtiment tel qu'il était dans les années 50. C'est une opération dans laquelle le mobilier aussi a été reproduit très fidèlement pour que le public puisse appréhender à la fois l'espace et la dimension domestique de cette production. Et je finirai avec les petites maquettes de l'exposition. Je citerai l'exemple de deux qui ont été des objets avec des mises au point très complexes. Les bibliothèques de la Maison du Mexique. La reproduction, la mise en œuvre d'une maquette d'un meuble déjà existant, on peut se demander à quoi ça sert quand l'objet en plus va être présent. Et c'est donc avec des stratégies différentes qu'il faut réfléchir. L'objectif mis au point avec les commissaires de cette production était de montrer la diversité à travers un seul regard de la qualité polychromique des modèles qui avaient été mis en œuvre à la Maison du Mexique. Et plus qu'un dessin, une maquette perceptible sur ses trois faces permettait cette compréhension et montrait à quel point, à travers un modèle sériel identique, le travail de la polychromie que Charlotte Perriand avait mis en œuvre pour ce projet pouvait offrir des variétés et une intelligence pour créer des espaces différents dans ces chambres. Une autre problématique était la question de la présentation de son travail phénoménal sur les stations des arcs 1600 et 1800. C'est là on s'est plus rapproché du plan relief que de la maquette. L'idée étant de montrer à travers cette maquette, très complexe à faire, assez grande, 9 mètres de long, qui a demandé des centaines d'heures de travail, je crois qu'il y a 22 000 arbres qui ont été plantés, montrer à quel point le travail de Charlotte Perriand était fin sur l'inscription du bâtiment sur la pente. Et donc c'est plus qu'un travail sur le détail du bâtiment, une échelle qu'il a fallu trouver pour pouvoir rendre compte de ce savant accrochage des bâtiments sur la colline. Pardon. Je vous remercie. Merci Pascal. Où l'on voit que toute maquette est à la fois une recherche, un projet et un chantier.
Bien, du reste, je tiens d'abord à remercier Pascal de m'avoir fait ce cadeau de 80 tonnes dans le cadre de la reconstitution de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Je suis un peu déçu qu'il nous ait privé de 40 tonnes qui auraient encore renforcé le bonheur que nous avons eu. Par ailleurs, je vais vous remontrer beaucoup d'images que vous connaissez, puisque moi, j'ai laissé mon propos autour de l'exposition de Charlotte Perriand. J'ai pas non plus donné de titre, mais j'aurais pu, à cette rapide intervention, j'aurais pu évoquer l'exposition de l'architecture à l'échelle grandeur. Représenter l'architecture, alors il y a au moins deux nécessités pour représenter l'architecture. D'une part, enfin trois, on va dire, pour concevoir le projet, pour que l'architecte et ses partenaires ingénieurs amènent vers quelque chose, un objet architectural. Il y a ensuite tout ce qui va être donné à de nombreux corps de métier pour réaliser ce bâtiment. Et puis, il y a la chose aussi assez importante qui est de présenter à votre maître d'ouvrage, voire à l'administration, des éléments qui sont satisfaisants. Alors, dans le travail de recherche, dans le travail vers les gens qui vont exécuter le projet, on travaille avec des plans. Et quand on voit les plans que Wilfried Brenneux nous présentait tout à l'heure, on voit qu'ils ne sont pas si faciles à percevoir. Il y a un vrai savoir, parce que nos plans sont en fait remplis de conventions. Ils ne sont absolument pas le bâtiment qui vient. On regarde les trucs de face comme personne ne le verra jamais. On coupe dedans et tout ça. Bon, ce n'est pas une représentation très facile. Ensuite, quand on passe à la maquette, la maquette, elle a aussi des échelles. Alors parfois, on montre des morceaux de bâtiments ou on juxtapose des bâtiments qui ne sont pas à la même échelle. Et c'est certainement une grande confusion pour un public ou même des mécènes ou des maîtres d'ouvrage, plus simplement, qui n'ont pas cette pratique. Et puis, après, ce que tu évoquais, il y a aussi certains de nos confrères qui ont à la fois la volonté, mais surtout la chance de pouvoir, dans le cadre de leur propre projet, réaliser des maquettes, voire des maquettes grandeur. Je trouve qu'il y a... Enfin, on a vu Guéry tout à l'heure, il y a un autre fou de la maquette, mais je dis ça avec énormément de jalousie et d'envie, c'est Renzo Piano, parce que je passe tous les jours devant son agence et ça m'agace. Et en fait, qui va partir vraiment de maquettes simples. Alors, ça n'a pas le même côté que Guéry, parce que Guéry, lui, on a l'impression dans une chaîne de construction de voitures, c'est-à-dire qu'il part d'une toute petite échelle pour arriver à une maquette qui est quand même significative quand il l'a agrandi. En tout cas, je l'ai vu pour ce bâtiment ici. Ça opère aussi en boucle. Oui, non, mais il revient. Mais on voit la ligne de, je dirais quasiment une ligne industrielle. Renzo Piano, lui, vraiment la maquette est un grand outil, elles sont toutes très très belles, et très vite il passe, lui, à des échantillons grandeur. Sur ces projets, donc on voit que la représentation de l'architecture, elle est destinée d'une part à des professionnels, et elle n'est pas facile à comprendre, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a une façon de le lire. Il y a une partie qui est beaucoup plus accessible, puisqu'elle est volontairement faite pour séduire, ou en tout cas rassurer. Et après, quand on passe à la représentation de l'architecture dans un musée, ben, on se retrouve un peu avec cette même difficulté, ce qui était une des choses qu'on pouvait voir au centre Pompidou quand les collections étaient redéployées, où on a des plans, des maquettes qui ne sont quand même pas si lisibles que ça, et on peut faire des confusions. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai cru que la Hong Kong et Shanghai de Foster à Hong Kong, à côté de la China Bank de Pei, étaient de la même hauteur. Mais alors, quand on les voit en vrai, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est deux fois plus que l'autre, plus haut que l'autre, pour le moins. Donc, après, c'est la représentation de l'architecture. Là, on est un peu dans la question qui est posée, ou le sujet que l'on développe, un peu dans ce que Arthur a présenté, c'est-à-dire à la fois avoir le volume et avoir la vie qui se déploie à l'intérieur de ce volume. Alors, il est évident que l'architecture, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est un espace que l'on pénètre. Enfin, si on veut vraiment le mesurer, il faut pénétrer dedans. Puis généralement, il a une utilité
Donc ça, ça ne peut pas se faire dans toutes les circonstances, parce qu'il y a des problèmes d'échelle. Là, alors là, pas l'échelle, l'échelle du bâtiment qui accueille. Les musées ont fait toute une... je dirais toute une progression dès le 18e en Angleterre, puis vers au milieu du 19e en France. Je crois que le classement des espaces habités en Suisse, je crois qu'il y a des salles historiques qui ont des éléments architecturaux, des meubles d'origine. C'est un ensemble que l'on prend. Il y a la période Room qui, elle, prend des éléments aussi originaux, mais peut-être plus disparate. Et puis, il y a la pièce de style qui, elle, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait ici avec vous, c'est-à-dire qu'on a reconstitué des espaces justes, le plus juste possible, allusifs parfois dans l'environnement qu'ils créaient, et on est venu les habiter. Et je veux dire que, pour moi, c'est certainement la meilleure façon. Elle n'est pas tout à fait réalisable dans toutes les occurrences, mais pour comprendre un bâtiment, comprendre un rapport, parce que même les photos, quand on voit des photos de l'architecture, par exemple, les projets que nous avons présentés, Arthur l'a très bien expliqué, donc on a présenté des photos à côté, et on voit bien là l'énorme différence entre une représentation, parce que ça pourrait être, là c'est une photo, mais ça pourrait être une perspective, c'est-à-dire le dessin d'un artiste, une photo de maquette, bon là ce serait un peu, elle serait un peu difficile à faire, et puis l'objet réel dans sa spatialité en tout cas. Et c'est certain que ça permet une compréhension, la compréhension d'une œuvre architecturale, surtout moi ce que j'ai trouvé formidable dans ce travail par rapport à Charlotte Perriand, c'est que j'ai découvert, il me semble, mais d'autres l'ont certainement fait avant moi, que c'était une mécanicienne, qu'il y a tout un tas de détails. Alors quand on regardait la platine dans la maison de Saint-Sulpice, mais quand on regarde ensuite, alors chez elle, à l'atelier, j'adore le tuyau qui descend avec un robinet qui est à la limite un robinet de laboratoire, parfaitement efficace et de la simplicité même. Ce que l'on retrouve aussi, alors je vais aller plus loin, à mon sens, qu'une reproduction en plan n'aurait jamais su présenter en plan ou en maquette, excusez-moi cher ami, cher confrère, c'est cette chose absolument formidable une maquette ne pourra jamais exprimer ceci, ni dans le degré de détail. Et même, là, c'est une maquette du projet, si je ne me trompe, parce que le projet était plus important. Et on a accès, en fait, vraiment à toute la pensée, tous les détails, toutes les attentions, toute la rationalité, tout l'esthétisme, tout le formidable bricolage, dans certains cas, enfin, qui font rêver. Et ça, je crois qu'il n'y a que la maquette... Que l'espace grandeur qui permet de résoudre ceci. Du reste, les architectes qui ont la chance d'avoir des projets qu'ils supportent, parce qu'il y a bien sûr une économie derrière, ne se privent pas de faire des éléments grandeur, parce que ici, la fondation n'a pas été faite grandeur, mais des éléments assez importants ont été faits et qui ont permis de valider des hypothèses ou de... Choses qui n'apparaissent pas, alors certainement pas sur les écrans d'ordinateur qui nous envahissent dans nos agences, où là, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien de perspective, que les plans ne montrent pas, que les maquettes, sauf justement quand elles sont grandeur, permettent tout d'un coup d'avoir accès à tous les détails et d'avoir la certitude ou la quasi-certitude qu'il n'y aura pas de problème après. Si je reviens en arrière, tiens, c'est intéressant. C'est gentil, merci. Ah, il faut qu'il vienne, c'est ça, Sophie. Ouais, j'ai compris, il faut attendre. Bon, on va revenir un peu sur les maquettes que Pascal montrait tout à l'heure dans les chambres. Voilà. Alors, ici, c'est assez intéressant. On voit l'objet à droite, on voit la maquette à gauche. On voit que la maquette, de toute façon,
ne peut pas, à ce stade, donner l'échelle de l'objet. Elle a comme énorme avantage, c'est de pouvoir, par contre, explorer toute une gamme chromatique dans des dimensions raisonnables que l'on peut manipuler, stocker, ranger, et tout. Après, ici, on voit quand même que tout d'un coup, on a une perception que ne peut pas donner la maquette. C'est pas qu'elle est, elle est parfaite dans sa réalisation, mais c'est une autre perception. Et là, tout d'un coup, on peut mesurer vraiment à l'aune de nos sens, de notre vue, de notre perception, en fait, ces chambres, et voir, elles sont petites, mais extrêmement rationnelles et pas désagréables. Et on y trouve à peu près tous les espaces que l'on peut justifier pour une vie qui n'a rien d'inconfortable. Et puis, ben voilà, on a le corps qui donne l'échelle aussi, qui donne le rapport d'échelle. Donc, quand on peut aller jusqu'à cette possibilité de réaliser des échantillons grandeur ou des lieux grandeur, ben je trouve que c'est quand même un sacré bel outil de compréhension, et de compréhension pour le public, les futurs utilisateurs, mais aussi pour les professionnels qui l'ont élaboré, parce que là, tout d'un coup, ils voient les éventuelles erreurs, notamment celles qui sont nées d'un écran qui dessine à l'échelle grandeur, mais ça, ils ne le présentent pas comme ça. Voilà. Merci. Merci. Oui, je crois, pour essayer de, peut-être de façon artificieuse, de rapprocher les différentes interventions, je crois que le travail en vraie grandeur est aussi parfois un préalable extrêmement utile à la restauration. Et je m'appuierai à nouveau sur l'exemple de la villa Helene Greb à Levici, où certaines très maladroites reconstructions faites pour un film il y a quelques années ont fait office finalement de maquettes grandeur permettant ensuite de faire les choses correctement. Donc là, c'est sans doute une visée un peu perverse qui consistait à s'appuyer sur les ratages pour réussir le coup d'après. Mais je pense qu'il y a une solidarité entre les deux démarches qui n'ont pas la même finalité. Quelques rapides questions avant que nous ne cédions l'antenne au prochain panel. Bien, le micro. Alors, bon. Merci. J'ai une question sur les technologies nouvelles, telles que les cartographies au laser, comme Andrew Tallon l'a fait pour Notre-Dame et d'autres monuments, et comment ces technologies s'inscrivent dans la continuité de la maquette, si vous voulez. Et un peu en parallèle de cela, en matière d'exposition et de technique d'exposition, la place de toutes ces reconstructions en 3D qui permettent aussi de voir l'objet de façon l'objet architectural de façon spatiale. Moi, je vais répondre sur le premier point qui est la numérisation. C'est absolument formidable. J'ai travaillé là très récemment avec l'équipe l'équipe française qui a assisté à la numérisation de Notre-Dame. Les documents qu'ils nous fournissent sont absolument incroyables. Parce que vous avez les moindres variations, les moindres faux aplombs et tout. Et c'est un outil après qui peut sortir aussi de très belles représentations graphiques. C'est un outil de travail extraordinaire. C'est un outil de mémoire quand on doit revenir vers les bâtiments qui est exceptionnel, parce que c'est vraiment un niveau de définition qui est impensable. Que chaque fois qu'on fait faire un relevé, et là je ne jette pas une pierre au géomètre, on a intérêt à les vérifier quand même un peu, parce que le degré de précision qu'on peut attendre pour une restauration qui se veut précise et exacte, ce que va vous donner le géomètre, lui, il va vous donner quand même une enveloppe tout à fait réaliste, mais pas, il rentre pas, c'est pas son,
c'est pas son job d'aller à ce niveau-là. Par contre, ces relevés 3D, ça, c'est absolument parfait. Ensuite, la maquette que ça donne mériterait que je passe la parole à Pascal. Ces nouveaux outils, je crois, ne sont pas opposés à la maquette 3D. D'ailleurs, le laboratoire des monuments historiques utilise toute la palette qui est possible. Je pense que l'évolution des capacités de relevé avec la capacité des mémoires des ordinateurs, puisqu'en fait, derrière ça, il y a une augmentation, il y a des outils qui n'existaient pas et qui maintenant sont possibles, n'est pas opposé en fait à la maquette 3D qui peut être construite. Alors là, je refais un saut vers Guéry. Je crois que c'est des objets complémentaires, comme pour la production d'un bâtiment. Elles répondent à des choses différentes. Le relevé est un outil supplémentaire. La numérisation totale d'un bâtiment permet de comprendre plein de choses, mais n'apporte pas forcément toutes les réponses qui peuvent être apportées par une maquette construite en 3D. Oui, là encore, complémentarité. Je voudrais évoquer deux ou trois expériences personnelles. E1027, toujours à Roquebrune, où un modèle numérique de la structure et de ses comportements thermiques, des réseaux électriques, de l'hydraulique, etc., a été fait, un modèle dynamique qui permet d'intégrer tous les savoirs partiels. Et là encore, ça n'est pas un travail de géomètre, c'est un travail ni un travail d'ingénieur pur, c'est un travail d'architecte dans lequel il y a une dimension qui est celle, même si on est censé être dans le registre de l'exactitude la plus totale, il y a une dimension qui est celle de l'interprétation. Et j'ai été aussi présidé à la fabrication à Moscou pour la maison de Melnikov, qui est un bâtiment très apparemment simple, mais en fait très complexe, très feuilleté. J'ai présidé à la construction d'un modèle intégré, comparable au BIM, au modèle numérique que l'on réalise aujourd'hui pour les grands bâtiments et les petits aujourd'hui. Ce sont des outils extraordinaires, comme le disait Jean-François, de collecte de la mémoire, de stratification des interventions, et qui peuvent nourrir des stratégies de présentation plus conventionnelle. Pour faire une maquette aujourd'hui, on fait un modèle numérique pour pouvoir ensuite découper le carton, le bois, le métal, le plastique, faire une impression 3D, que sais-je. Et donc le passage par le numérique augmente la précision, multiplie la possibilité des déclinaisons envisageables de la connaissance de l'ouvrage qui est la base de tout et qui le restera même à l'âge numérique. Oui, c'est un outil formidable, d'ailleurs, l'ordinateur. Quand vous pensez, quand j'ai fait mes premières reconstructions, j'ai souvent dû redessiner le plan parce que les carreaux de graisse avaient 14.8 au lieu de 15. Donc c'était incroyable, il faut absolument réaliser, reconstruire. Aujourd'hui on fait clic et puis c'est fini, non? Bien, une autre question. Sarah Wilson. C'est juste à propos des maquettes, parce que la représentation était fascinante, mais l'interprétation c'était toujours au niveau de l'utilité et scientifique. Et il y a un article très fascinant à propos des petites maquettes au musée Soane à Londres, où il y en a qui sont des temples grecs qui sont en marbre, qui sont parfaits, et qui sont en liège, qui sont en ruine. Et chacun a été collectionné comme une sorte d'aide-mémoire pour la Grèce. Et donc toute cette histoire du passé rangé et la mélancolie des ruines et la mélancolie qui... En effet, c'est très bizarre parce que cette exposition, c'est tellement nouveau que ça n'a pas le moindre trace de mélancolique. J'ai trouvé un banc avec un patine. C'était ma très grande joie parce que c'était un banc d'origine sur lequel on pourrait s'asseoir en plus. Mais en général... c'est pas un problème qu'il y ait un manque de patine, mais il y a toute la question du patine, de la pensée autour des maquettes qui dépasse cette histoire d'utilité pour les architectes et les reconstructeurs. Oui, alors je crois qu'il manquait dans le panorama, je le dis en toute amitié pour Pascal, évidemment le musée Johnson, mais aussi le premier musée d'architecture parisien, qui était le musée de Cassa,
créé pendant la Révolution rue de Seine et qui est un musée de maquettes en liège. Hein. Quelques maquettes en plâtre, des maquettes en liège qui, pour celles qui ont survécu, sont aujourd'hui au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye et qui étaient des maquettes qui restituaient les édifices que Cassa avait rencontrés en Italie. Il était allé jusqu'en Asie mineure. Et donc, c'était cette dualité que tu soulignes dans les maquettes chez Johnson est tout à fait intéressante. C'est-à-dire, d'une part, des maquettes qui restituent presque des objets platoniques, des objets dans leur pureté idéale typique, et des maquettes qui, au contraire, rendent compte de leur dégradation, de leur usure, et sont, au fond, beaucoup plus réalistes. Donc aujourd'hui, faudrait-il faire une maquette de la Villa Savoie en ruine de 1965, quand elle était transformée en grange à foin et utilisée par des agriculteurs? Ce serait sans doute intéressant de la juxtaposer à celle de la maquette de New York refaite dans les années 30. Je vous propose d'en rester là et de céder... oui, Pernette, pardon, je ne veux pas... empêcher Pernette de s'exprimer, mais avec un micro. Moi, je trouve que c'est très intéressant, toutes ces maquettes d'études, toutes ces maquettes de réalisation qui ont disparu ou autres, mais vous ne parlez pas beaucoup de maquettes d'études. Or, les maquettes d'études, quand on fait un projet, sont quand même quelque chose de très important, parce qu'on fait des maquettes, on les transforme, pour arriver jusqu'à un point qui nous satisfasse. Moi, je ne l'ai pas dit, mais c'est en ça que je dis que chez Guéry, en fait, c'est une succession de maquettes. Et chez Piano, c'est la même chose. Vous avez une séance de travail le matin, vous allez rapidement manger un peu plus qu'un sandwich quand même pour laisser du temps, vous revenez, la maquette a été corrigée en fonction de... Ce sont des maquettes de travail, ce ne sont pas... Et après, il y a des maquettes de présentation, oui, bien sûr, mais là, c'est vraiment un usage de la maquette. Mais il y a bien d'autres architectes qui procèdent ainsi. C'est oui. Mieux comme méthode. Mais alors, si vous m'autorisez, j'ai une question pour Perrion. Comment Charlotte Perrion utilisait-elle la maquette? Tu nous as parlé ce matin de ces maquettes... pour les arcs notamment, pour l'étude des intérieurs, ou je pense dans l'exposition à cette maquette du Chantello. Comment s'opérait ce va-et-vient entre le plan, la maquette, la conception intérieure, extérieure, la perception des espaces intérieurs, des façades, de leur composition? Tu en as été plus que le témoin, l'acteur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Bon, pour nous, les maquettes avaient, enfin, quand Charlotte travaillait pour les arcs, c'était d'abord des croquis, des dessins, mais pour arriver vraiment au dessin d'exécution, on faisait, nous, des maquettes en cadapac qu'on remontait, démontait, jusqu'à arriver à un résultat qui pouvait satisfaire Charlotte. Bon. Ces maquettes pour nous servaient non pas du tout pour des maquettes de présentation ni pour le promoteur, si des fois parce qu'il ne comprenait rien forcément à l'architecture, mais pour lui montrer cette volumétrie d'espace, ce qui était très important. Oui, c'est... Gladys? Oui, ben moi en tant que co-commissaire d'exposition, je dois dire que grâce à Pernette, j'ai pu avancer, mais je pense que je n'étais pas la seule, parce qu'elle a refait sans cesse et sans cesse les projets de maquettes de salles, et on arrivait vraiment à visualiser comment ça allait être. Et c'est vrai que sur papier, quelquefois, on ne se rend pas compte du rapprochement des tableaux entre eux, etc. Et vraiment, Pernette a été essentielle dans cette expo. Donc ça, c'est la transmission de l'héritage de la rue Lascaz, avenue du Mahatma Gandhi, pour fabriquer l'exposition. Oui, on pourrait parler longtemps de ce thème. Et évidemment, Frank Gehry, qui pendant très longtemps imaginait ses projets le crayon à la main, sur papier, au travers de ces milliers d'esquisses, à un moment donné, est passé à l'esquisse en trois dimensions.
à la maquette, ce qui est proprement vertigineux. On avait vu ici, et Jean-Paul Clavry va pouvoir en parler, on avait vu ici quelques dizaines de maquettes de la Fondation Vuitton. Dans le cas de la Fondation Luma, qui est en chantier, dont le chantier s'achève à Arles, ce sont des centaines de maquettes à toutes les échelles. C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Louis, c'est que les quelques dizaines, ou la dizaine qui était exposée pour l'inauguration de la Fondation, n'était qu'une petite partie de l'iceberg, puisque, en effet, je crois que pour le bâtiment, Franck a dû réaliser près de 70 maquettes. Ce qui est assez impressionnant avec Franck, c'est que d'un côté, il ne peut travailler et évoluer tant la complexité de l'architecture est grande qu'avec les ordinateurs, et il a adopté, tout le monde le sait, le projet du Rafale, Katia, pour l'architecture. Mais en fait, l'ordinateur n'est qu'une étape pour aller vers, en effet, quelque chose de très traditionnel, qui est la maquette, où au départ, c'est une paire de ciseaux, du carton et du papier. Et donc ça évolue vers une maquette qui est sur, et c'est face à cette maquette que la décision est prise. Je dois donner une petite anecdote, c'est qu'en effet, il y a quelques mois, Pernette et Jacques ont eu la gentillesse d'inviter Franck dans l'appartement, dans leur appartement, mais qui est l'appartement de Charlotte, où elle habitait, qu'elle avait conçu. Et Franck, voilà, vous savez très bien notre proximité, m'a confié par la suite, c'est extraordinaire, j'avais l'impression d'être dans une maquette, or c'était le véritable appartement de Charlotte Perriand. Voilà, c'est une petite anecdote, je crois qu'il se place bien dans notre sujet. Voilà. Et qui lui servira de conclusion. Merci. Merci. Je vous invite à une pause d'une dizaine de minutes et nous reprendrons la prochaine table ronde.